Alors, bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Julie Massé. Je suis étudiante au doctorat en santé communautaire à l'Université Laval. C'est un grand plaisir pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous parler de mon parcours et vous présenter en quelques mots le programme de doctorat. Donc, moi, je suis ici du domaine de l'administration. J'ai un baccalauréat en administration des affaires et un MBA que j'ai complété en 2004, suite à quoi j'ai été sur le marché du travail pendant un peu plus de 12 ans dans les domaines du développement économique communautaire et de la philanthropie. C'est suite à mon deuxième congé de maternité que j'ai eu une certaine remise en question sur le plan professionnel qui m'a menée en bout de ligne à faire un retour à temps plein sur les bancs d'école à la maîtrise en santé communautaire, qui est l'ancêtre de l'actuelle maîtrise de santé publique à l'Université Laval. Donc, ça a été pour moi une très belle expérience qui m'a permis de découvrir la recherche et qui m'a permis aussi de découvrir le champ de la santé communautaire, qui est finalement un amalgame parfait de mes trois grands centres d'intérêt que sont la gestion, l'organisation, la santé et les sciences sociales. Donc, au terme de cette aventure-là, dans le cadre de laquelle j'ai découvert la recherche et que j'ai découvert un secteur de recherche qui me passionnait, j'ai décidé de pousser plus loin l'aventure et de poursuivre au doctorat en santé communautaire. Donc, je suis actuellement en plein dans mon parcours doctoral. Je suis sous la direction de Marie-Claude Tremblay, qui est professeure au département de médecine familiale et médecine d'urgence à l'Université Laval. Et mon projet consiste à contribuer au développement, à la mise en œuvre et à l'évaluation d'une intervention qui vise à mobiliser des patients formateurs, donc à faire en sorte que des patients formateurs contribuent à la formation de premier cycle des médecins à l'Université Laval. Donc, le doctorat, c'est une grande aventure. C'est une aventure qui est exigeante, je ne vous le cacherai pas, mais c'est une aventure qui est extrêmement enrichissante et je vous dirais qu'en santé communautaire, on est entouré d'une équipe professorale, pardon, qui a vraiment à cœur notre réussite, qui nous donne les outils et qui nous accompagne dans notre développement comme jeunes chercheurs et qui nous challenge aussi au quotidien en faveur du développement de notre pensée critique. Donc, si c'est un domaine qui vous intéresse, je vous encourage à faire le saut. Ça a été un plaisir de vous adresser ces quelques mots aujourd'hui et ce sera aussi un plaisir pour moi d'en discuter plus longuement avec vous lors de la rencontre du 10 février prochain. Au plaisir!